Le CDI, c'est le point de départ. D'abord une exposition sur les conditions des femmes et sur les innovations de femmes célèbres. Ensuite, il faut partir à la recherche de 9 affiches dans le lycée, racontant l'histoire de certaines. L'exposition et le jeu de piste ont été organisés par 2 élèves de terminale, faisant partie du CVL du lycée Henri Nominé de Sarreguemines. L'exposition est également composée d'un espace avec des suggestions de livres écrits par des femmes ou sur des femmes et d'un quiz. Le jeu de piste se tient sur 2 jours. Le jeu de piste, c'était une très bonne idée du coup de Madame Rapin, notre prof de physique-chimie. Et elle y a pensé parce que justement c'est plus pour la culture générale. Et les élèves, donc ils s'inscrivent au CDI chez nous et ils parcourent le lycée. Donc la première question débute ici. Et ils parcourent tout le lycée en regardant les affiches. Et dans l'affiche, on a la photo de la personne et on a toute l'explication de ce qu'elle a fait, par exemple. Les élèves du lycée ont été très attirés par ces 2 événements. C'est très intéressant et puis c'est vraiment bien que la femme soit un peu mise en avant pour une fois. Et puis bon, profiter de chaque journée, je trouve ça vraiment sympa. Comme a dit Luna, c'est vraiment intéressant le fait que pour une fois on mette les femmes en avant et faire toute une exposition par rapport à ça et les douleurs, les épreuves qu'ont endurées certaines femmes. Les élèves organisatrices ont été félicitées par le principal adjoint, mais également par certains élèves. Et moi je trouve que c'est vachement bien, c'est un travail qui était vachement bien fait, c'est pas mal, hein. C'est comme quoi que les femmes aussi elles arrivent à faire des choses aussi bien que les hommes. Je trouve ça assez impressionnant, surtout qu'ils sont K2, ils ont réussi à organiser tout ça, même au niveau de tout le lycée, enfin, ils ont mis des affiches partout, ils ont quand même fait de la pub, donc franchement, chapeau. Les 2 événements sont à destination de tous les élèves. Il y a même certains professeurs, le principal adjoint et le principal qui participent. Oui, pour l'instant, on a vu pas mal de personnes qui s'intéressaient à notre exposition. Et puis, il y a des professeurs qui vont faire venir leur classe pour leur mettre en avant cette exposition. Et puis oui, avant, il y a pas mal de personnes, surtout pendant les récréations, qui viennent s'inscrire et tout ça. Les lycéens ont jusqu'à aujourd'hui 16h pour terminer le jeu de piste et rendre leur feuille au CDI. Un gagnant sera ensuite désigné.